Dans cette vidéo, vous apprendrez à dessiner les mécanismes d'une réaction acide-base et à identifier l'acide, la base, l'acide conjugué et la base conjuguée. Pour analyser une réaction acide-base, il faut d'abord séparer en ions les liaisons entre un métal et un non-métal. Cette étape permet de révéler les charges sur les composés. Dessinez tous les électrons non-liants, qu'on appelle également les paires d'électrons libres, près de chacun des centres réactifs, et développer la structure, au moins autour des parties réactives de la molécule. Les charges pleines et partielles constituent un bon indice pour déterminer où la réaction se produit. Les réactifs méthoxydes possèdent une charge négative. On recherche donc une charge positive ou delta positive sur l'autre réactif. Recherchez un dipôle, en particulier dans une liaison avec un atome d'hydrogène. Dans ce cas, la liaison OH possède un delta positif et un delta négatif. Les charges positives et négatives s'attirent. Utilisez ce principe pour dessiner le mécanisme. Où devrait se trouver l'origine de la première flèche? Les flèches qui indiquent le mouvement des électrons partent toujours des électrons et sont dirigées vers un atome ou une liaison. Une charge négative est un point de départ fiable, une zone de haute densité électronique. La première flèche part de l'oxygène négativement chargé et se dirige vers l'hydrogène possédant un delta positif. Simultanément, la deuxième liaison entre l'oxygène et l'hydrogène se brise. Nous pouvons maintenant dessiner les produits de cette réaction. Veuillez noter que j'ai inclus les flèches d'équilibre pour indiquer que toutes ces réactions sont à l'équilibre, en principe. À ce stade-ci, nous n'avons pas analysé si cet équilibre favorise les réactifs ou les produits, ou si on obtient un mélange à part égale. C'est ce que nous aborderons dans une section ultérieure du module. La prochaine étape est d'identifier l'acide, la base, l'acide conjugué et la base conjuguée à l'aide de la définition de Bronsted. Parmi les réactifs, le donneur de protons est l'acide, tandis que l'accepteur de protons est la base. Parmi les produits, la base conjuguée est la substance qui agirait en tant que base dans le sens inverse, tandis que l'acide conjugué agirait en tant qu'acide dans le sens inverse. Indiquez l'acide, la base, l'acide conjugué et la base conjuguée. Veuillez noter que l'acide et la base conjuguée forment une paire. Ils ont le même noyau. La seule différence entre eux est la présence ou l'absence du proton et le rôle des électrons, partagé dans une liaison ou situé dans une paire d'électrons non liants. La base et l'acide conjugué forment également une paire. Dans cette vidéo, nous avons appris comment dessiner le mécanisme d'acide-base et comment identifier l'acide, la base, l'acide conjugué et la base conjuguée. Nous utiliserons ces différentes compétences dans la plupart des réactions que nous analyserons.